Ok les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les mecs, on va parler de la carte de Verde Player Moments. Donc voilà, je vais vous dire comment on va faire le plus facilement et le plus rapidement possible en combinant plusieurs défis si possible. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai une équipe à faire pour réaliser la carte, parce que forcément, quand vous allez jouer, on va vous demander des restrictions d'équipe par rapport à la note, tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer une équipe à faire pour vous donner une équipe en tout cas pour réaliser la carte tranquillement, sans vous prendre la tête. Et voilà les mecs, donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, du coup à liker et à commenter. Dites-moi si vous avez fait Verde, donc à l'heure où je sors la vidéo, je pense pas que vous l'avez fait, mais dites-moi si voilà, si vous allez le faire ou quoi. Donc du coup, on est parti les mecs, Verde le poison. Marqué d'une reprise de volée dans le match amical Fut Live Talentochi. Il faut tout simplement marquer d'une reprise de volée. Donc une reprise de volée, c'est sur un centre ou voilà une passe au bout ou quoi. Il faut que la balle elle est en l'air et vous tirez d'une reprise de volée et ça fait but. Voilà, vous marquez juste d'une reprise de volée tout simplement dans le match amical Live Talentochi. Donc il va y avoir un mode de jeu qui va s'appeler Talentochi. C'est dans ce mode de jeu là qu'il va falloir marquer la reprise de volée. Faites ça une fois et vous gagnez, du coup vous terminez ce défi, vous gagnez un pack joueur noté 75 plus les mecs. Du coup, deuxième défi, buteur doué, marquez 3 buts avec des joueurs de Serie A dans le match amical Fut Live Talentochi. Donc toujours le même mode de jeu, il va falloir marquer 3 buts avec des joueurs de Serie A. Donc voilà, vous marquez 3 buts avec des joueurs de Serie A, ça peut se faire à un match et vous débloquez le deuxième défi. Du coup, vous gagnez un pack or et c'est plutôt facile à faire les mecs. Donc je vous conseille de faire un maximum de reprises de volée avec des joueurs de Serie A, au moins vous validez les deux en même temps les mecs. Troisième défi, Triumph Antochi. Remporter 4 matchs amicaux Fut Live Talentochi. Donc dans le mode de jeu, vous allez jouer Talentochi. Vous allez devoir remporter 4 matchs amicaux Fut Live. Il n'y a pas plus simple, mec. Dès que vous aurez terminé, vous allez gagner un petit pack joueur et l'extrême. Et le quatrième, les mecs, Serie A. Donc Serie A. Marqué dans 11 matchs différents. Donc il va falloir faire 11 matchs minimum déjà. Avec des joueurs, il y a au moins 4 gestes techniques. Donc voilà. 4 essais techniques dans le match amical Fut Live, Manatochi, tout ça là. Donc c'est le même mode de jeu. Hein. Marqué dans 11 matchs différents avec des joueurs qui ont au moins 4 essais techniques. 4 minimum, hein, 4 étoiles. Donc voilà, vous prenez un joueur qui a 4 étoiles minimum. Par exemple, un joueur de Serie A. Je vous ferai une équipe par exemple en Serie A qui c'est qu'à 4 étoiles de minimum. Il y a El Sharawi par exemple. Vous prenez El Sharawi. Vous marquez avec lui ou peu importe, avec même avec un autre sur 11 matchs et vous débloquez ce défi les mecs. Donc franchement, c'est plutôt facile à faire. La vérité, c'est plutôt facile à faire. Et dès que vous aurez terminé, vous allez gagner un pack premium or. Et donc c'est pas les meilleurs packs pour essayer de packer des Tochi, mais bon on sait jamais les mecs, franchement on sait jamais. Et du coup dès que vous aurez terminé, vous allez gagner du coup Verde. Donc voilà, je vous montrerai un peu le mode de jeu qu'il faut y aller pour faire la carte. Et je vous montrerai aussi une équipe à faire les mecs. Donc voilà le mode de jeu, c'est un Tochi, donc club minimum 1. Donc il faut pas de joueurs, donc déjà je vais vous faire une Serie A. Et il ne faut pas que dans votre effectif, dans votre 11... votre 11 titulaire quoi, il faut pas qu'il y ait deux fois le même club tout simplement. Si vous avez El Charrue à gauche, il faut plus qu'il y ait un joueur de l'AS Roma tout simplement. Donc les mecs, je vais vous faire une petite équipe. Donc les mecs, franchement c'est super parce que voilà, le mode de jeu c'est un collectif max, donc vous pouvez mettre n'importe qui et vous aurez le collectif. Moi les mecs, si vous avez pas de joueur de Serie A, parce que vous pouvez mettre n'importe qui, si vous avez Immobile carte noire par exemple, vous pouvez le mettre. C'est un joueur de Serie A, ce sera forcément mieux que Muriel. Si à droite vous avez je sais pas, si vous avez El Charrue carte Conférence League, je sais pas quoi là les mecs, vous pouvez le mettre, voilà, parce qu'on vous demande pas de notre rien, juste marquer avec des joueurs de Serie A. Et il vous faut 11 clubs minimum, donc voilà, j'ai mis l'AS Roma, l'Atalanta et le Napoli. Donc les mecs, voilà, moi je vous ai fait l'attaque, c'est le plus important, le reste mettez qui vous voulez, tant qu'il n'y a pas 11 clubs, enfin deux fois le même club tout simplement. Vous pouvez mettre même des joueurs de Bundesliga, de ci, de ça les mecs. Tant que vous avez vos 3 joueurs de Serie A en pointe qui va vous aider à marquer des buts pour le défi, ça sera le plus important les mecs. Donc voilà, mettez n'importe qui, vous aurez le collectif et ça va marcher. Vous demande même pas de notre rien. Donc voilà les mecs. Bien sûr, pour ceux qui ne commandent pas, si vous avez des joueurs de Serie A immobilier, mettez-les. Moi je mets ces joueurs-là que pour ceux qui n'ont pas de joueurs de Serie A tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, mettez dans la barre de commentaires les mecs, posez-moi les questions que vous voulez. Je vous répondrai. Et du coup voilà les mecs, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gars.